Bien, la situation sociale, ce n'est pas un élément. Et ce n'est pas quelque chose d'exclusif. Je n'étais pas en train de parler seulement des chauffeurs de la société. Tout chauffeur, vous et moi aussi, si on a un accident, c'est presque sûr que c'est ou bien à cause d'un accident de notre côté ou de l'autre côté. Parfois ça arrive, mais ce n'est pas les causes mécaniques. On parle beaucoup de l'état des véhicules, c'est vrai, mais c'est minimum. C'est minime par rapport aux accidents provoqués par les personnes. Ce n'est pas provoqué, mais c'est qu'on ne fait pas attention, on fait des choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire et on le fait quand même. Parler au téléphone, on doit porter la ceinture de sécurité, ce type de choses. Non? Alors j'insiste que les facteurs humains, c'est pas moi qui les dis, c'est les experts qui les disent. Et c'est partout. C'est pour ça que notre travail essentiel, c'est sur les ressources humaines. Et on donne beaucoup de formations. On fait beaucoup d'efforts pour améliorer les capacités de nos chauffeurs. Dernière question. Qui a ses difficultés. On est content de l'évolution. Je pense qu'on a fait le maximum pour que ce projet réussisse. On est en train de passer un moment difficile, mais Un peu gagnant, moi. non, c'est un projet qui, dans la durée du contrat, on est en train de discuter maintenant si ça va être totalement viable ou pas. La première partie du contrat a été bien, mais maintenant, à cause des facteurs externes, comme si, mais ça c'est en discussion. On n'a pas une idée claire encore. On n'a pas une idée claire encore de comment ça va s'expliquer, mais c'est une bonne chose. Je pense aussi que la population est contente avec les services qu'on a fournis. Merci.